Coucou tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo sur une méga commande que j'ai effectuée sur un site des États-Unis. C'est pas la première fois que je commande, c'est là où je commande mes chers Color Club. Pourquoi aux États-Unis? Ben parce qu'ils sont bien moins chers. Malgré les frais de livraison, je fais des économies extraordinaires. Allez, je vous montre ça en détail, collection par collection, avec le nom. Allez, c'est parti! Première collection, Ticket to Paradise. Alors désolé pour mon anglais qui n'est pas top top. Donc sur celle-là, j'en ai pris 3. Donc si vous avez la possibilité d'aller voir ce site, vous verrez qu'ils ont toutes les collections possibles de chez Color Club. Et pas que Color Club, vous avez Chain Anglaise, vous avez Orly, vous avez Essie, vous avez du matériel nail art, du matériel pour le gel UV, pour vernis semi-permanent, voilà. Donc là, je vous ai montré un bleu, un vert, un peu d'eau, un rose orangé type corail. Autre collection, la Made in New York. Donc là, j'en ai pris qu'un. C'est un transparent pailleté avec plein de micro-paillettes. Il est très très beau. Je l'ai déjà testé, donc vous le verrez sur mes prochains nail art. Donc voilà, ensuite une autre collection où là également j'en ai pris qu'un. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est un marron assez clair, un peu champagne. Il est vraiment magnifique aussi, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai testé sur capsule pour voir ce qu'il donnait. Il est super beau. Ensuite on va passer pour une nouvelle collection, tip top pour cet été. C'est la collection Poptastic 2014. Alors des vernis ultra fluo. Alors j'ai craqué pour ce bleu que j'ai testé aussi sur capsule. Il est vraiment magnifique. Un peu foncé certes, mais avec des reflets de fou. Un rose parce qu'il fallait bien un rose fluo quand même. Et c'est du fluo. Et un jaune, moi j'adore. Voilà, donc ça me tarde de les tester pour cet été, mais je ne sais pas si je vais attendre jusque-là. Ensuite, collection Paris in Love. Alors là, on va passer sur des couleurs plus pastel, plus douces. J'adore le pastel. Donc là, j'ai vraiment craqué, j'en ai pris 4. Donc je vous les montre en détail, de plus près, en espérant que vous voyez les belles couleurs. Donc un mauve assez clair, un vert. Un rose, un jaune qui donne envie de le croquer vu ce joli nom qu'ils ont donné. Ensuite, une collection Safari Garden. Donc ça, c'était, il me semble, une collection pour cet automne. Donc avec un joli marron clair, difficile à détailler. Mais soyez patiente, vous le verrez sur mes prochaines nail art. Et un blanc. Alors, je voulais un blanc, mais pas trop blanc. Donc, il est un peu écru. Et je l'ai déjà testé. Collection Harlem Light. Donc, là, j'en ai pris qu'un. C'est un peu un blanc. Collection. Alors, je dirais pas le nom. Un joli bleu, vert, enfin dur à dire la couleur, et un rose. Allez, presque la fin. Encore une collection où là j'en ai acheté 3. Donc pour changer de bleu et un mauve, comme je vous disais avant, j'adore le bleu et le mauve, ou gris. Donc si vous voulez des renseignements sur ce site, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Enfin, le dernier, un vert fluo. Et oui, dans ma collection précédente où j'avais pris mes fluos, il n'y avait pas de vert qui existait. Donc j'en ai trouvé un autre sur une collection précédente de fluo. Et enfin, j'ai voulu tester des top coats. Donc j'en ai pris un de China Glaze, très bien emballé. Malheureusement, c'est un flop total. Il fait baver le vernis.
Donc, pas bon du tout. Une petite brosse pour brosser après une manucure, pour enlever les poussières. Des capsules pour m'entraîner. Donc, c'est des poches en général de 50 capsules. Ensuite, j'ai pris trois limes différentes à grains différents. Je vous mets tout en détail. Un Optocot de Color Club que j'avais déjà et que j'aimais beaucoup. Ma petite fille qui veut se faire vernir les ongles. Ensuite, je voulais essayer un soin hydratant pour les mains et ongles. Donc, je ne connais pas du tout la marque. J'ai voulu tester. Ils sont super bons, la mandarine, c'est agréable. Ça ne graisse pas trop les doigts, ça sèche assez rapidement. Donc c'est top. Après, on peut se servir ses mains sans que ça glisse ou quoi que ce soit. Et un bon flacon qui va me durer un bon moment. Et enfin, le top du top, ma bouteille de Top Coat de chez Pocher. Et oui, c'est vraiment le Top Coat, vraiment le must du must. Et comme je m'en servais tout le temps, ben mon pauvre flacon était vite vide. Du coup, j'ai pris la méga bouteille et je peux le remplir. Voilà le bel emballage de ma bouteille. Et toujours un petit cadeau, cette fois-ci des gants. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais Color Club a changé leur logo. Avant, après, maintenant, c'est celui de gauche. C'est un joli design. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.